Ruby, ne grince pas comme une Parisienne, s'il te plaît, ou bien comme une Française. Je suis une vraie femme africaine. Mais c'est pas comme ça que les vraies femmes africaines écrasent. Faut mettre beaucoup, elle va écraser. Faut mettre beaucoup comme ça, elle se dépense bien. Pour préparer un litre de 8 heures, on a besoin de 20 kg de noyau. Ah, et 8 heures de travail. Seulement. Ah oui, et 8 heures de travail. 8 heures d'argent naturel. C'est bien pour la peau. I don't understand French. Le lard is a peau. It's good for skin. It's good skin. Yes. Look at my skin. This is one hundred percent natural. One écrase, écrase, applique-toi. This lady on the left side works for us. We brought her for all the a good girl, a good African woman. Chérie, elle va t'écraser la tomate sur la pierre comme une blanche, s'il te plaît. Et en plus, c'est naturel en fait. Oui, c'est une naturelle. Franchement, ça rajeunit vraiment la peau. Hein. L'huile d'argan est vraiment conseillée. Et... Elle est célibataire. Je suis célibataire. Non, vous pouvez le faire pour elle, juste pour le plaisir. Hein. Non. Même si on n'est pas dans la même ville. Elle est à Rouen, moi je suis à Strasbourg. Et j'aime, on n'est pas même dans Rouen. Non, moi c'est moi le troisième. Je vais aussi essayer. Mais écrase comme une vraie Guyanaise, s'il te plaît. Attends, je me mets ici. Non, augmente pour toi, Ruby. Il n'y en a plus dedans. Tu veux pas gâter les tous des gens ici. Tu veux pas gâter les tous des gens ici. Mais vous êtes forte. Ouais. Ah ouais. On a dit juste pour extraire un livre, il faut 8 heures de travail, Ruby. Ah bon? Ah oui, c'est vraiment. Et 20 kilos de noyaux. 20 kilos de noyaux. Ah. Ah. Chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi, les gars. Hello, les amis, j'espère que vous allez bien. Donc là, il est 4h du matin, 4h30, et on vient de se réveiller. J'ai pas pu vlogger parce que vlogger ça prend du temps et ça nous fait perdre du temps. Donc, je vous explique, on est en train d'aller faire de la montgolfière pour la première fois pour moi et pour Tessora. Qui est là derrière et du coup bah, on est un peu on n'est pas stressé enfin mais c'est vrai que on l'a jamais fait donc on va vous montrer ce que ça fait, nos impressions, qu'est-ce qu'on en pense, etc. Est-ce qu'on a kiffé, est-ce qu'on n'a pas kiffé. Alors finalement Ibrahim il n'est pas venu comme il l'avait dit hier, de toute façon il a dormi très tard. Parce qu'à 2h du matin, c'est là où il est parti prendre son bain. Il était en train de faire le montage de la vidéo qu'on a fait sur sa chaîne. Donc, quand il est venu se coucher, je crois qu'il était presque 3h. En plus, il m'a réveillé. Et voilà, donc c'était impossible même pour qu'il se réveille parce qu'on s'est réveillé à 4h. Bon, c'est parti. Normalement, le mec, il nous a appelé. Il t'a appelé? Oui, il a dit qu'il est à la réception. Ah, d'accord. Le mec qui doit nous amener est à la réception. Et parce qu'en fait, on organise comme ça. Enfin, vous payez et puis bah, y a un guide. Il y a quelqu'un qui vient vous chercher, quoi. Donc, on ne sait pas si c'est notre qui, mais... Bonjour, c'est vous? D'accord, c'est dans cette belle voiture qu'on va partir?
Ah, la classe. Pour une fois, on a une belle voiture qui vient nous chercher. Par contre, j'ai un problème de voiture. Ça ne dérange pas que j'aille devant? Oui. S'il vous plaît. Parce que j'ai le mal de... Merci. Oh, la classe. Le troisième, en fait, quand on a pris son ticket, il ne nous avait pas encore validé. Donc là, il nous a expliqué ce matin, il a mal au ventre, qu'il ne peut pas venir et tout ça, mais qu'on aurait quand même pu le prévenir parce que nous, on ne savait pas. Enfin, on lui avait dit qu'on faisait, mais on ne savait pas. Et du coup, il voulait savoir si le billet, il était quand même remboursable. Oui, je vais... On va expliquer tout ça là-bas. D'accord. D'accord, ok. Donc là, on s'est arrêté pour prendre d'autres personnes. On vient d'arriver dans le camp. Bah, regardez comment c'est. Bonjour. Bonjour. C'est très très joli. Genre, on va avoir des... Il y a des gens et tous en train de prendre leur petit déjeuner. Ils vont aussi peut-être s'envoler avec nous. Et il y a des feux. Hein? Hein? Oui? On va arriver dans votre groupe pour rester ensemble. Ah, d'accord. J'ai pris ton rôle. T'as pris mon rôle? Ton rôle, c'est quoi? Ah oui, ah bah oui. Ah bah oui, hein. Parce que d'habitude, c'est toi qui fais des trucs comme ça. Aujourd'hui, je sais. Et au plus, pour vous, après votre café, vous pouvez rester là-bas. D'accord. D'accord. C'est bon? Oui. Oui, on est bon. Okay. On est bon. Donc là, on va prendre un café. Alors, on va avoir des petits feux comme ça. Là, le guide est venu nous chercher. Vous voyez, il y a tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui. Qu'est-ce que vous voulez boire? Je veux bien un café. Un café? Ouais, comme ça, ça va bien me réveiller. Mm-hmm. Je suis en train de vlogger. C'est pas grave. Ah. Merci. Hello, good morning. What do you want today? Tea. Je peux avoir un sucre. Oui, madame, bien sûr. Donc là, les amis, je vous dis, on est dans un endroit, et mais c'est trop bien. Par contre, première remarque, il n'y a pas beaucoup de noirs. Je crois qu'on est les seuls noirs. Oui. Ouais. Vous voyez, en fait, c'est des choses, les gens, ils ne vont pas faire. Tout, franchement. Bon, pour l'instant, je parle et tout, mais je ne sais pas comment ça va se passer. Ça s'annonce bien. Ah ouais? De l'environnement, ça s'annonce bien. Ouais, l'environnement, il est. C'est assez calme, c'est assez convivial. C'est relaxant. Vous avez le wifi? Oui ou non? Ah, ok, on veut bien. Mm-hmm. Voilà, le mot de passe, c'est. Le pouvoir du feu. Pouvoir. Imagine, on fait des pouvoirs avec le feu. Il y a des gens qui y croient. Hein. Tu crois à ça? Non. Alors, Tessora, est-ce que tu peux me donner tes impressions avant de monter dans cette bulle bizarre qui va nous amener au ciel? Mais déjà, ça me... Je ne suis pas stressée. Tu n'es pas stressée? Non. Parce que normalement, j'ai peur de tout ce qui est hauteur et tout, j'ai le vertige. Mais je ne suis pas du tout stressée, au contraire, j'ai hâte de monter dans ce ballon. Ah ouais? D'accord. Bah, on verra tout à l'heure après si le discours sera toujours pareil. Ruby. Oui. Alors, comment tu te sens? Franchement, j'ai peur. Je suis là parce que tu es là. Déjà, j'ai sommeil parce qu'on s'est réveillé à 4 heures. Mm-hmm. Et en plus de cela, je ne sais pas ce qui m'attend. Et moi, j'ai des choses auxquelles je n'ai pas de contrôle. Bah, il faut savoir que je flippe. Mais après, j'ai envie de me surpasser parce que je me dis, si j'ai pu supporter 14 heures de contraction,
je peux le faire. Amen. Tu les auras mis des talons rouges. Quand tu prenais ça tout à l'heure, elle a dit que c'est pour la photo. Oui, c'est pour la photo. In the Inquisition, until I say it's safe to do so. Later in our balloon, before our takeoff, we will practice the landing position together in the bus. Any questions? Okay. Any question que je n'ai pas compris. Pardon, if you can explain France, in French. Yeah, French. Oui. Oh, ça commence, ça commence. Regardez les gars. Oh my God. Moi, je suis ici. La flamme, non. Oh là 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 là. Ah, j'aime déjà l'ambiance. Ouais. Ah, les amis, je vous explique. Donc tout à l'heure, le gars il était en train d'expliquer. Alors voilà, tout va bien et tout ça. Notre pilote s'appelle Rigo. Mais en fait, ce qui me stresse le plus, c'est que là, bah, y a pas un truc genre des gilets de sauvetage ou un truc qui va permettre qu'on s'envole au cas où. Enfin bref, on croise les doigts, tout se passera bien. Il nous a rassuré que depuis 10 ans qu'ils font ça, tout va bien. Donc, courage. Bon, étant donné que je ne sais pas combien de temps ça va durer, bah, je vais quand même faire pipi avant. Oh, par contre, c'est très propre. Ah ouais, attendez, je vais vous montrer. Franchement, les toilettes, non, pas ici. Côté. Ouais, c'est très propre. Ici, ils sont super équipés. Hein. Donc, les toilettes, ça va se présenter comme ça. Voilà, vous voyez, c'est vraiment propre. C'est très, très sympa. Et ça, c'était Sora qui nous a trouvé ça. On se retrouve tout à l'heure. Je vais pipi. Dans les films, tu sais quand les gens sont en train de fuir un truc et que tout le monde doit aller dans une même direction. Ah, regardez-moi ça! Oh my God! C'est trop beau! J'aime trop! Ah. Oh. Moi aussi! Je suis trop contente! Je peux même pas vous. Je sais pas comment vous montrer, mais en fait, pour que vous le voyez, il faut que je sois loin. Pour que je vous montre à quel point il est énorme, le ballon. C'est le plus gros ballon que j'ai vu de ma vie. Mon Dieu. Oui, on y va. On y va. C'est parti, les gars, c'est parti. Je suis trop excitée. Ah. Allez, c'est parti. C'est bon. Il faut escalader. On est en train de bouger. On est en train de bouger. Ah, c'est, en plus, c'est l'air qui décide. Oh là là. Oh, on va atterrir au Blaise. On va aller au Cameroun. Et le décollage se fait progressivement. Oh, c'est impressionnant, c'est impressionnant. I like this height. Oh, je suis trop contente. I'm scared from the height. Ouais. J'ai rien compris. Mais j'ai souri comme si j'avais compris. J'ai rien compris. Il a dit qu'il a peur de la hauteur. Wow. Ah. Le vertige, donc on a le mauvais pilote. Je dis moi aussi, j'ai peur. Ah ouais, attendez, je vous montre. Sur un ballon. On est en train de voler là. Je vais le voir, on est en train de monter. Ah, c'est incroyable. J'ai le vertige, mais là j'ai même pas peur. Ouais, c'est vrai que ça va, moi aussi j'ai pas le vertige. The lights over there, this is Marrakech. Okay. Oh. Vous voyez à quelle hauteur on est, les gars? Non, là on est. Avladar Garden Village.
Par contre, mon téléphone, je veux bien le tenir. Hein, moi que... aussi, là, je vais même le... C'est le vent qui nous amène en fait. On est contrôlé par le vent. Si le vent dit qu'on va à gauche, on va à gauche. Si on dit qu'on va à droite, on va à droite. We are in the top. Should be sun is coming up now. Should be the sunrise now. Okay. But it's behind the clouds now. You okay. Wait and she will appear. It will appear. Alors, je commençais vraiment à avoir mal au ventre. Je ne sais pas si c'était le stress parce qu'on était vraiment très, 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 très haut. Mais j'ai décidé de tenir parce que bah, de toute façon, je n'avais pas trop le choix. Hein. Il n'y avait pas une option pour pouvoir descendre avec des ailes. Mais je vous avoue que à ce moment-là, je n'étais pas très à l'aise. J'avais aussi beaucoup de stress parce qu'on était vraiment très très loin, mais vraiment, et on n'était pas du tout attachés. Mais je pense que dans ces moments-là, la seule chose qu'il faut cultiver, bah, c'est la foi. Vraiment, il faut être très 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 croyant. Donc, bah, je me suis dit, essaye de profiter, relax. Mais il y avait quand même une petite boule au ventre. J'avais une petite boule au ventre. Tessora qui avait la peur du vide, qui a la peur de la hauteur, je regardais son visage, elle prenait beaucoup de plaisir. Alors aussi, pourquoi on est venu le matin, bah, c'était pour voir ce spectacle, donc le lever du soleil, voilà, c'est très très beau de plus près comme ça, franchement, c'était magique, incroyable, bref, j'ai aimé. Alors Tessou, tes impressions? C'est la mousse, j'arrive même pas à m'exprimer tellement je suis bien. C'est vrai que c'est vrai. Il faut vivre. Ça se dit, ça s'explique pas. Merci. C'est grâce à elle que je découvre des trucs. Hey, jamais j'aurais fait ça. It's a grand stadium. On est en train de descendre.
Mais en fait, je vous explique. Tu ne ressens pas la montée et tu ne ressens pas la descente. Enfin, progressivement. C'est vraiment agréable. En fait, je pensais que j'allais avoir des sensations de fou. Donc, je préfère vous filmer mon ressenti là tout de suite. Je veux dire, quand on a décollé, on n'a pas ressenti, tu vois, ça n'a pas fait un gros décollage comme par exemple à l'avion. L'avion, ça va faire fiou d'un coup. Et que là, ce n'est pas un gros décollage, tu vois. Et même quand ça descend vraiment très très bien. Après, on a un bon pilote. Attendez, je vais lui dire de vous dire bonjour. Excuse-moi. Dis bonjour à mes abonnés. Hi. Welcome aboard. Voilà. Donc voilà. On est en train de descendre. Ça par contre, je kiffe. Ça par contre, je kiffe. Oh, on est en train de descendre. Et je sais pas comment. Ouais. Donc là, on remonte. Mais par contre, quand on vole bas comme ça, c'est vrai aussi que c'est assez impressionnant. Ouais. Morocco 3 techniques for the landing. If the wind is calm, it's going to be soft landing. We call it Morocco landing. If it's bumpy, we call it American landing. If the basket you drag it along the ground, make sure you will make French one. Which one? Over the electricity? No. No. Not over the electricity. Small feet. Not from this hole. We're going to land after it. En fait, c'est le vent qui nous dirige. Yalla. Okay, landing position now. Ça, j'ai compris. Donc là, c'est l'atterrissage. On doit attraper des trucs comme ça parce que ça va bouger. Alors. Welcome back. I like this type of landing. Please stay in the basket, no one jump out. If someone jump out, the winner will be a copain. C'était trop bien. Ah d'accord. C'était trop bien. C'est vraiment je l'ai sorti. See how we are deflating them. It's going to be nice shot for you. You can't take it inside. Okay. Yes. Your Arabic word, meaning by English pool. Yeah, the team, the team of the ground crew, asked them to pull the rope, to move the balloon, the envelope away from us. If they didn't pull hard, we wear this envelope like a hat. Oh my God. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Good job. Ah ouais. Good job. خلاص تعال كمل خلاص سيبوها ورا تعالوا تعالوا هذا جاهز
خلي كمال يجي وما لاش لازم يقعد ورا خلاص تقول هلا كمال Thank you for joining us today. You're welcome. Thank you. Non, j'ai laissé juste sur la table. Merci. Bah, c'est comme ça que nous on est descendu aussi et là ils sont en train de descendre pareil. Ah ouais. Comment vous dire, j'ai kiffé ma race. J'ai vraiment trop aimé. Là on a le lever du soleil qui est juste là. Mais là on était tout près. On l'a vu. On l'a fait. Encore une expérience extraordinaire. On vient de faire la montgolfière. Oh mon Dieu. On vient de faire la montgolfière. En Marrakech, plus précisément. C'était magnifique. Merci Seigneur. Donc là, on est en train d'aller monter dans nos cars. Et voilà, bah, c'est ça les vacances. Faire des activités, faire des choses de fou. Kiffer. Hein? Notre chauffeur, je ne me rappelle plus. Je ne sais pas. Je crois qu'on monte dans n'importe quelle voiture. Si ça le dérange. Alors, je crois que je vais aller devant parce que je ne supporte pas. Je ne supporte pas être derrière parce que je vomis. Monsieur, je peux me mettre devant parce que je vomis. Devant. Vous mettez devant ? Oui, ça ne dérange pas. Merci. Vous voulez faire un vidéo ? Non, c'est parce que je vomis. J'aime pas. Alors, on va devant. Merci. Voiture. Ouais, elle est propre, elle est stylée. Tu vas derrière ou quoi? Ça va, Tessa? Oui, franchement, je suis trop contente. Ouais, moi aussi. Le petit déjeuner, c'est ce qu'on a voulu en arrivant. Moi, je croyais qu'au départ, je croyais qu'on allait le prendre là-bas en haut, mais c'est impossible. C'est possible. Oui, il y a des compagnies qui le font. Ah ouais? Mais c'est sur demande. Ouais. D'accord. Mais bon, je ne savais pas si on allait avoir le vertige, je n'ai pas osé. On ne sait pas. Donc, là, on est posé, on a notre petit déjeuner qui est là. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas encore goûté ces deux choses-là, donc je ne peux pas vous dire ce que c'est. Je vais commencer par ce que je maîtrise, parce que je n'aime pas les surprises, enfin ça dépend. Ah ouais, bah elle vient d'accoucher, hein. C'est ça une femme qui vient d'accoucher. En fait c'est ça, c'est que tard à l'époque ils nous ont tellement montré que quand t'accouches, tu dois avoir des petites formes, tu dois être mince et tout. Que là, elle laisse son corps. Et moi, j'ai fait pareil, tu te rappelles? Moi, j'ai accouché, j'ai dit non, je ne veux pas me prendre la tête à faire des trucs, le sport. Les gens, ils n'arrêtaient pas de me dire, ouais, t'es grosse, franchement, fais attention. Aujourd'hui, skinny. Bon, pas encore skinny totalement, mais j'ai maigri par rapport à Dubaï. 21 avril, c'était l'anniversaire de Tessora et c'est pour ça que j'ai décidé de sortir cette vidéo. Bon, elle était censée sortir hier, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps, donc elle sortira aujourd'hui. Donc, joyeux anniversaire Tessora, si tu passes par ici, je t'aime très très fort. Bisous. Retour, le guide, il s'est arrêté pour qu'on puisse voir des tortues qui étaient dans cette eau assez bizarre, mais... Franchement, le spectacle il était trop mignon. J'ai jamais vu autant de tortues dans ma vie. Franchement, c'était trop, trop magnifique. Ah, il y a des tortues. On s'est arrêté en fait avec le chauffeur. Il a dit qu'il va nous montrer des tortues. Ils sont dans l'eau, mais on les voit pas trop là. Oui. Ouais. Ah, des petites tortues. Regardez, ils sont là. Oui, il dit bonjour. Coucou. Coucou. Ah, celui-là, il nous a fait plaisir. Il nous a dit bonjour. Ah ouais, il y en a plein. Regarde, ils sont tous en train d'arriver. Hello, on est là. Venez nous dire bonjour. Oh.
C'est une résidence. Commence ici et vous allez regarder à quel point il va finir. C'est plus d'un kilomètre ou bien deux kilomètres. Ah ouais. D'ici. Ça c'est la résidence de qui déjà? Le prince de Stormzy du Qatar. Le prince du Qatar. Purée de pommes de terre. Comment tu peux faire? Ça fait, c'était depuis 2018 qu'ils ont commencé les travaux, ils n'ont pas encore fini. Oh là 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 là. Mais il a combien? C'est un royaume. Oui, hein, oui, c'est un royaume, c'est un village là. Ouais. Il a combien de femmes? Ah, moi je veux bien être sa femme, hein. Même si je suis centième femme, c'est pas grave. Ouais. Tant que je fais des voyages et je pars. Ah, comme ça, c'est sûr, tu peux pas voyager, hein. Des gens comme ça. Hein. Oh wow, regardez depuis tout à l'heure. Non, c'est une blague. Je te jure. C'est une blague. Comment quelqu'un peut acheter tout ça pour lui? Combien coûte le mètre carré ici? Non. 2000 euros. 2000 euros le mètre carré. Et lui, il a acheté tout ça. Tout ça. C'est un fou, là. Dieu. Nous, on est venus accompagner les autres sur Terre ou c'est comment? Je comprends pas, là. Nous, on est là pour respirer, en fait, si je comprends bien, parce que... Oh, on continue, hein. Tout ça, c'est lui. Qu'est-ce que c'est trop? Ouais, franchement. Non, là, c'est trop. C'est beaucoup trop. C'est trop. Vrai. En fait, qu'est-ce que tu fais avec tout ça, en fait? Non, c'est juste parce qu'elle a trop d'argent. Il sait pas quoi faire avec ça. Il sait pas quoi faire. Au lieu de me donner mes petits millions. Ça lui enlève rien dans sa vie. Voilà. Juste qu'il y a une rivière qui l'a arrêté. Sinon, il va continuer. Ah! Regardez. Ah, c'est parce qu'il y a eu la rivière qui l'a, ouais, qui l'a stoppé. Ouais. Mon Dieu. Mais ils viennent d'où? Leur argent, là, ça vient d'où? Ça tombe du ciel ou c'est... Oh! Et il va continuer encore. Oh my God. Ah non, Luca, il a fait un tour. Non, c'est un ouf. Il a fait un tour comme ça. Il l'a détourné. Non, non, non. Vas-y, 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 j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est n'importe quoi. This palace is for one prince of Qatar. This one.